Je m'appelle Tanguy Lavial, je suis cuisinier, j'ai 37 ans. Je suis chef du restaurant Gare aux Papilles à Bordeaux. Je suis parisien d'origine, j'ai fait mes études là-bas et j'y ai travaillé pendant une dizaine d'années, dans les restaurants 2 et 3 étoiles. Et ensuite, j'ai décidé de venir m'installer à Bordeaux. J'ai arrêté la cuisine pendant un an, j'ai passé un BTS viticulture œnologie dans le château Aubailly. En alternance. Et à la fin de mon diplôme, une fois que je l'ai eu, j'ai ouvert un restaurant là-bas. J'ai travaillé pendant 4 ans, j'ai rencontré mon associé là-bas et on a fini par ouvrir Gare aux Papilles il y a 4 ans et demi. Moi, je voulais être directeur d'hôtel. Donc, en sortant du bac, je faisais soit une école de commerce, comme tout le monde, soit une fac de droit, comme tout le monde, soit je m'orientais dans un secteur plus spécifique. Effectivement, j'ai fait les portes ouvertes d'une école de cuisine et on m'a conseillé, pour être un bon directeur d'hôtel, de connaître toutes les ficelles du métier, de l'hôtellerie et de la restauration, et qu'il fallait commencer par le plus difficile, par la cuisine. Donc voilà, j'ai commencé par la cuisine et j'en suis pour l'instant pas encore sorti. Moi, je trouve que c'est une cuisine amoureuse. C'est une cuisine qui a du goût, une cuisine qui mêle simplicité et technique. On essaye de faire des choses lisibles et compréhensibles, mais en même temps avec de la complexité sous-jacente. C'est une cuisine où il y a du jus, de la sauce, des bouillons, des choses comme ça, où c'est généreux et gourmand. Un plat signature, alors c'est compliqué parce que nous, on a un concept un peu particulier au restaurant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de carte. Donc c'est un menu unique, menu surprise qui change très régulièrement, ce qui m'impose de ne pas avoir trop longtemps le même plat. Donc avoir un plat signature, c'est un peu compliqué. Il y a quand même deux, trois plats qui ressortent et qu'on est amené à refaire tous les ans. Ça va être le tartare de langoustine avec une soupe de mangue, qu'on adapte un peu en plein milieu de la saison de la fraise et on fait une soupe de fraise avec ce même tartare de langoustine. Et par exemple, on va faire un jarret de veau confit avec une sauce verte et une crème de réfort. Voilà, ça va être les deux plats un peu qui nous ont fait pas connaître, mais qu'on a pu reproduire en dehors des murs de Gare aux Papilles. Un livre qui m'a beaucoup marqué, mais qui correspond aussi, sa sortie correspond aussi à un moment donné où je sortais de l'école de cuisine. Du coup, j'étais encore là-dedans. C'est l'encyclopédie d'Alain Ducasse. Alors, c'est peut-être pas très original, mais c'est un bouquin qui est fantastique, aussi bien dans les techniques que dans les. Enfin, c'est un recueil énorme entre la pâtisserie, donc il y a le bouquin pâtisserie et le bouquin cuisine, et les deux, on tombe dedans, on peut y rester un long moment. À Gare aux Papilles, le vin a une place centrale. Je ne vais pas dire qu'il a une place plus importante que la cuisine, mais c'est en tout cas à égalité. On a ouvert le restaurant en ayant ça en tête, c'est-à-dire qu'on voulait que le vin soit aussi mis en avant que la cuisine. C'est la raison pour laquelle on a une énorme sélection de vins. On a 700 références, toute région française représentée, quelques vins étrangers, mais ce n'est pas notre spécialité. Le Bordeaux n'étant pas la région la plus représentée, c'est le plat qui commande le vin. Parce que j'ai pas envie de. C'est déjà suffisamment compliqué de créer une recette. Si en plus je me rajoute cette barrière-là, on a suffisamment de contraintes déjà parce que c'est un menu imposé, un menu surprise. Donc il y a certains ingrédients que je n'utilise jamais parce que c'est des ingrédients qui reviennent souvent dans les intolérances alimentaires. Donc si en plus je me rajoute un vin d'une région, d'une couleur, d'un cépage, en fait c'est trop compliqué. Donc pour pas me faire piéger, je sors le plat avant que Gaël me propose un vin. Comme ça, je suis tranquille. Acidité. Je sais pas si c'est une saveur d'ailleurs. Une cerise. Un pic fruit.
un shimeji au vinaigre. C'est un petit champignon japonais, cuit comme un cornichon. Le homard breton au daikon d'Alain Passard. Un baba au rhum. Un vin blanc de Loire.